qu'on nous dit encore une fois, quand tu es supposé dormir, quand tu es assumé dormir, je veux juste dire que si le président, agissant sur les conseils du Premier ministre, décidait pour appeler le pays aux urnes après le 16 août cette année-là, donc ça vaut juste cette année-là qui pourrait être en vigueur, parce qu'elle résiste, pour Maurice surtout, il rentre en vigueur toutes les années le 16 août et il durait pendant un an et jusqu'à l'année suivante. Donc le travail commençait en amont, bien sûr, et c'est pourquoi nous pouvons faire aujourd'hui sa rencontre avec les amis de l'Union médias, de comprendre un petit peu le pourquoi et les raisons pour lesquelles on fait un appel à la population européenne dans son ensemble, à Maurice, à Rodrigue et à Galeta, pour que toute la population de 18 ans à monter, capable de mettre tout de même pour qu'il y ait une logiste inclusive et une logiste fiable. Pour l'enregistrement électeur, ils vont nous dire qu'il y a une lourde responsabilité. Parce que pour faire une élection correcte, une élection qui est crédible et transparente, tout commence par une logiste électorale. Si elle résiste à même une malfaillie, donc l'élection elle-même, pas qu'on a qu'une crédibilité. C'est pourquoi, pour toute élection, le point de départ, c'est une logiste électorale bien fait, correct et inclusif. C'est pourquoi, en 2500 du monde, tous les ans, depuis de longues années maintenant, depuis avant l'indépendance, vous devez faire ce travail au cul du terrain, dans chaque circonscription. Les politiciens font le travail, d'autres pour une campagne électorale, d'autres travaillent, d'autres qualités de campagne, campagne de sensibilisation, campagne pour nous capables, tous les citoyens mauriciens, Rodrigue et Agadou. Voilà. Même le travail, encore une fois, le travail commencé en janvier, il finit en juin. Et là, nous faisons un travail administratif au bureau, pour nous compiler le registre, et finalement, le registre entre en vigueur en août de chaque année. Et dans le électeur, nous allons commencer le porte-à-porte, et nous commencer, ça s'en dit le 12 janvier là, c'est la phase 1 de l'exercice. La phase 2, c'est ce qu'il nous appelle maintenant l'enregistrement de centre d'enregistrement. Ça nous fait aller pendant 15 jours en mai, pour, encore une fois, nous devons faire de gros moyens financiers et en termes de ressources humaines, mais malheureusement, le Mauricien, la Mauricienne, n'a fait aucun défaut pour ce qui se comparait au registre électoral. Et après, nous réaliser, jouer l'élection, un du monde quand il vient de voter, selon par le registre électoral, il est en colère avec les autres. C'est pourquoi nous disons tout le monde à Maurice Rodrigue et à l'État, faire des efforts spéciaux, checker sur le registre électoral, surtout en mai, parce que nous avons deux phases, c'est-à-dire la première phase maintenant, pour faire la case par la case, mais en mai, nous demandons du monde de nous vérifier le nom de la liste électorale dans un centre d'enregistrement ou au bureau municipal. Nous dit tout malheureusement. Et surtout en mai, quand nous faisons un centre d'enregistrement qui est ouvert opérationnel pendant au moins 15 jours dans chaque circonscription à Maurice et à Rolé, ils ne vont pas venir du tout malheureusement. Si nous gagnons un chiffre pendant les 15 jours que nous avons un centre à Maurice, nous gagnons à peu près en tout et pour tout que 300 à 400 personnes qui viennent exactement. C'est une population d'un million de personnes. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais le gros travail est fait en janvier, c'est vrai, c'est certain, pour nous faire la case par la case, le porte-à-porte, on nous dit. Mais quand nous faisons l'exercice en mai, pour nous assurer nous qu'il y a des gens qui nous le ratent en janvier, pour nous venir nous d'autres maintenant en mai, là, nous ne pouvons pas gagner du monde malheureux. C'est pourquoi les 6% qui restent là, c'est ça qui explique ça. Okay, pour les années récentes, que les jeunes femmes aussi d'autres fois bien enregistrées. C'est pourquoi depuis l'année dernière, nous avons fait une collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour nous gagner une centaine et les jeunes qui sont dans le centre social, nous allons aider nous et pour nous capables de gagner plus du monde. Pour quelle raison, il n'y a aucune étude spécifique là-dessus. Je suis en contact avec Enzo, l'université, pendant ce temps-là, pour guetter, pour quelle raison. Et pas seulement pour les électeurs. Quand nous guettons, même pour le taux de participation des élections, on a été baissé drastiquement au Beveilleuse, depuis les années 70 jusqu'à maintenant. Et l'année 2014, il n'y a que 74% des personnes qui viennent voter pour l'élection. Donc ça nous interpelle. Qui fait qu'ils ne vont pas intéresser à voter pour l'élection. C'est pourquoi nous disons, ça va commencer dès maintenant, sensibiliser la jeunesse, qui est bizarre enregistrée avant tout, et puis venir voter en deuxième lieu.